EA Sports. It's in the game. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre Jean-Claude et moi-même pour ce combat qui va commencer. Vous êtes prêt Jean-Claude ? Bien sûr, bien sûr. In the blue corner, hailing out of Beaufort, Smoke and Joe Frazier. And his opponent across the ring, coming out of Bay City, Eric Bubby Edge. On a revu les règles ensemble avant de monter sur le ring. Offrez-nous un combat propre. Double toja. Voir un combat avec Joe Frazier, c'est toujours un moment très attendu, très excitant. Avec Frazier, ce sera forcément un combat intense où on reste collé le nez à l'écran. Parce que chaque seconde peut être la dernière. Et Frazier qui continue tout en puissance. Joe Frazier en action, pas au sommet de son art, ça, c'était le 8 octobre 1971. Rappelez-vous, le combat du siècle face à Ali au Madison Square Garden de New York, combat qu'il avait remporté. Oui, il a suffi d'un seul combat pour que Frazier gagne définitivement sa place au panthéon de la boxe. Mais il touche à son tour. Percute avec tout le poids du corps. Allez, encore 90 secondes dans le premier round. On ne l'arrête plus, la droite qui arrive encore. Non, manque de précision là-dessus. Bien vu le jab là. Le jab et le direct qui arrive. Une droite en plein visage. Le direct du droit qu'on attendait. Monte à côté là. Oui, il enchaîne bien. Les 10 dernières secondes de cette première reprise. Non, oh, c'est à côté. Simple et efficace, le 1-2. De précision. Ouais, à l'intérieur. Et un et deux, c'est bon. Nouveau coup en haut qui passe. Ouh, il a bien fait de la bloquer. Tout son poids dans cette uppercut. La garde reste bien en place. Super timing, de beaux jabs en haut. S'il se protège les yeux, ça commence à saigner. Plus qu'une minute trente dans ce round. Le jab est précis, le direct puissant. Belle droite qui arrive, pleine face. Et il faut avoir la tête dure pour encaisser tout ça. Une gauche bien ajustée en haut. La gauche, bien placée. Oui, il a pris le premier coup, mais la droite est bien arrivée. On l'a vu venir, mais alors, quel uppercut! Et il enchaîne. Oh, c'est bloqué. Une brasse de l'air, là.
Les coups pleuvent actuellement, un enchaînement qui a fait mal. C'est sûr, il a marqué des points sur cet enchaînement. Et il a en aussi marqué son adversaire. Bien joué, l'enchaînement efficace. Reste pas statique. Droite au corps qui fait la différence. Il a resserré sa garde là. Il est crevé, sa droite. Il touche avec sa droite par-dessus. Bel enchaînement, deux coups à la suite. Encore un coup qui touche. Il enchaîne, vite. Très bonne défense sur ce coup qui aurait pu faire mal. Droite là sur la remise. Le coup au visage n'arrive pas. Enchaînement terrible. Une gauche qui passe sans problème. Il marque un point avec ce direct du droit. Il conserve une garde haute pour se protéger le visage. Superbe, superbe la combinaison là. Oui, un bel enchaînement qui sonne son adversaire. Mais il ne faut pas s'arrêter, il doit en profiter. Allez, plus que 10 secondes. Il l'a saupé, tant mieux pour lui. On arrive à la fin de ce round. Bon, écoute. Il touche avec son jab. Crochet précis et puissant, signé Joe Frazier. Et il se débrouille plutôt bien avec son jab, même à distance. C'est vrai que d'habitude, il préfère boxer de près, mais sur ce coup-là, il n'est pas. La droite de Frazier. Crochet qui fuse de chaque côté. Et l'uppercut. Il expédie une droite surpuissante. Et un peu raide du haut, attention. Et l'enchaînement qui arrive. Qui arrive. On arrive à la moitié de ce round. Ouais, énorme coup à la face. Jean-Claude, il l'a séché. Touché, et le voilà qui remise. Oh, pas assez précis. Enchaîne avec ton crochet. Allez, il encaisse, mais il place une bonne gauche derrière. Ah, quel enchaînement, il vient de lui infliger trois coups, c'est du grand art. Derrière du percut de Joe Frazier. Il a bien sa gauche là. Le crochet en haut, ça touche. Son adversaire s'expose tout de même beaucoup. C'est presque dommage qu'il ne profite pas plus de toutes ses opportunités de terrain. Ouais, il faut vraiment qu'il se montre plus vicieux. Il y a pas mal de possibilités en compte. Ça se découvre pas mal en face. C'est la fin de la reprise et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup d'engagement des deux côtés. Oui, on sent bien qu'ils ont tous les deux envie d'en finir vite. J'aime bien cette attitude. Il touche deux fois, là. Il
donne encore le jab, ça fonctionne bien. Oui, c'est une arme toujours intéressante qu'il faut obligatoirement posséder dans son arsenal. Sans succès. Droite bien vissée par-dessus. C'est plus fort que lui. Belle fluidité sur ses deux coups. Il revient avec une gauche qui touche. Et là, le percut surpuissant. Le jab au visage. Et derrière, il touche. Sacré bras droit pour ce boxeur. Oui, il place une nouvelle gauche. Il faut se protéger le visage, là. Bon, dans le vide. Et il continue en haut, c'est bien. Il encaisse, mais il touche à son tour. Il touche en haut d'une gauche, bien senti. Ouh, il est devant au score, mais en ce moment, il est dans le dur, n'est-ce pas, Jean-Claude? Oui, là, il est en difficulté. Il doit serrer les dents pour laisser passer l'orage. Il est encore en avance. Ce serait dommage qu'il n'aille pas au bout de ce combat. Nouvelle droite, bien placée. Il le travaille à distance. Avec ce bon crochet. Quel échange, Jean-Claude! Quel échange! Il rate le coche. Fin de la reprise. Eh bien, on doit dire qu'on a rarement vu un boxeur aussi efficace. Il est vraiment très fort, mais à mon avis, il est un peu trop prudent. Ok. Ses coups sont précis, mais il laisse trop de répit à son adversaire. Vous voulez dire que ça pourrait lui jouer des tours ? Possible, on verra plus tard. Belle combinaison. Oui, il a touché avec les deux. Bien enchaîné tout ça. Énorme crochet en haut et ça touche. Terrible droite de Frazier. T'es trop raide du buste, bouge un peu plus. Oh, il cherche à travailler en haut sans succès. Une, deux qui va bien. Encore une gauche qui passe. Voilà, le Frazier qui place sa gauche. Frapper, c'est bien, mais quand c'est aussi précis que ça, ça fait encore plus mal. Oui, il marque quasiment sur chaque attaque. C'est un modèle du jeu. On a entendu claquer d'ici. Ouais, super crochet. Gauche bien sentie en haut. Allez, t'es pas mal là. Énorme crochet à la tête. Allez, il est sur pied après ce knockdown. Que doit-il faire désormais, Jean-Claude? Tenir, hein, il doit rester à distance. Et s'il a encore des jambes, s'accrocher, venir encore à corps et gagner du temps. Allez, prends-toi. T'as vu? C'est toujours pas très varié. Alors maintenant, t'anticipe et tu bloques, d'accord? Tu vas avoir de belles opportunités, c'est moi qui te le dis. Il revient avec la droite qui touche aussi.
qui n'atteignent pas l'adversaire. Droite, là. Un enchaînement qui fait mal. Superbe, la gauche de Frazier. Pas de coup, mais il en donne aussi. Il en prend plein la tête, mais il ne semble pas éprouvé. C'est incroyable, Jean-Claude. Oui, il a la tête solidement accrochée. Et puis, on s'aperçoit qu'il lit bien le jeu de son rival. Certes, certains coups passent quand même, mais il parvient à en bloquer un bon paquet. Ça, ça compte aussi. Il en prend plein la tête. Il frappe surtout en bas. Oh, la gauche, quelle puissance! Jean-Claude, on voit bien qu'il essaye de renverser la situation, mais c'est un peu brouillon tout ça. Ouais, je ne comprends pas pourquoi il ne se contente pas de défendre, de laisser passer l'orage. Là, il est vraiment candidat au suicide. 2, 3, 4. T'es un battant, relève-toi. 6, 7, 8. Debout, bon sang, debout. Et l'arbitre commence à le compter, mais il se relève. Il a touché 2 fois. Allez, t'as pas mal, relève-toi. 2, 3, 4. Allez, 7, allez, debout. 6, 7, 8. Tu nerfs, on se relève. 10. C'est rien. Voilà, l'arbitre a compté jusqu'à 10. Cette fois, c'est fini. Pour lui, il est KO. Ouais, rien à dire. Son adversaire a été précis. Et on se retrouve dans quelques secondes pour la décision. Ladies and gentlemen, by knockout, your winner, Smokey Joe. Voilà pour le dénouement de ce combat. Il nous reste à vous remercier, Jean-Claude et moi, et à vous donner rendez-vous très bientôt pour une nouvelle très grande soirée de boxe.